with immense pride that we're here at the grand opening of the new offices of CTSP. This is really a tribute to Brother Claude Généreux and QP and PSAC were the principal Canadian unions, but Claude pushed very hard that we need to move beyond bureaucracy and help our sisters and brothers in Haiti. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 nous a prouvé quelque chose. Savoir que la solidarité doit être le pivot des relations. Mais cet édifice, c'est beaucoup plus que de la brique, que du mortier. C'est l'élan, c'est le point d'appui nécessaire pour relancer la voie ouvrière, la voie syndicale dans la reconstruction de Haïti, dans la fondation d'Haïti. Toi, tu es venu l'année passée, vous avez donné de la formation. Explique-nous un peu ça, en quoi consistait ces formations. C'était la tenue de livre. Comment entrer les revenus et les dépenses dans un syndicat? Quelles sont les façons de faire pour arriver à balancer tes livres, les dépenses, mais s'assurer que tout était là, les cotisations syndicales, etc. Donc, ça a été une formation. On a donné deux formations de deux jours à deux groupes différents. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons marié les manières de faire canadiennes et québécoises et les manières de faire haïtiennes pour qu'on puisse faire rapport de chacun de nos côtés. Mais aucune vision ne s'est imposée à l'autre. Nous avons travaillé ensemble. Et tantôt, on est arrivé voilà quelques minutes, puis on me disait c'est un rare projet où les haïtiens et les haïtiennes ne se sont pas fait imposer une vue de l'esprit qui ne s'est jamais matérialisé. Nous avons travaillé ensemble et le résultat est derrière moi. Mission accomplie pour nous qui avons aidé financièrement, mais pour eux aussi qui ont rebâti avec la main-d'œuvre haïtienne, avec l'ingénieur haïtien. Puis moi, je trouve ça magnifique. Écoute, je suis touché vraiment. C'est au-delà de ce que j'espérais. Les Haïtiens continuent à avoir d'espoir, continuent à persévérer. Ils ont un courage et une détermination vraiment exceptionnels. Et je pense que l'édifice ici, c'est une manifestation de ce que les gens ont comme détermination et ce qu'on peut faire ensemble quand on s'y met. Worker-to-worker solidarity can cross borders and can triumph over things like natural disaster. Les affiliés canadiens nous avions dit à l'International des services publics, confiez-nous ça, nous allons travailler ensemble puis on va le mener à bon port. Et c'est le cas de dire, il est arrivé à bon port. J'en suis bien content.